Salut tout le monde, c'est Banak48 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Five Nights at Freddy's 2. Et oui, je porte un petit, une petite couverture parce que j'ai un petit peu froid, un petit peu frisqué par ici. Et en plus, je vais avoir peur, donc ça va être magnifique. Il faut être dans les meilleures conditions, pour avoir peur. Donc, je vais appuyer sur F2 pour voir s'il n'y a pas une introduction comme c'est par là, même si je crois que c'est à chaque fois qu'on commence une nouvelle partie. Voilà. Bon. On est prêt pour la quatrième nuit. Non, en fait, je suis pas prêt. Voilà. On est prêt pour la quatrième nuit, voilà. Et je compte faire une petite pub à Buster, il ne sait même pas que je vais la faire, mais c'est pas grave. Et oui, Buster, je te fais de la pub. Salut, ça va? Il a fait, Buster a fait une vidéo sur la démo du jeu, donc allez la voir. Pour ça, Charles, voilà. Okay, so just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days, I don't know. I want to emphasize, though, that it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Man. Just keep an eye on things and I'll keep you posted. Just as a side note, though, try to avoid eye contact with any of the animatronics inside if you can. Quoi? Someone may have tampered with their facial recognition systems. We're not sure. Quoi? But the characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. They interact with the kids fine, but when they encounter an adult, they just stare. Anyway, hang tight, it'll all pass. Good night. Ok, à ce qui paraît, il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi avec la reconnaissance faciale des animatronics. Il a joué avec, ils ont pas trop aimé. T'es pas censé être là. T'as pas le droit. T'as pas le droit, putain. Deux têtes là. Bonnie partie, c'est magnifique. Hop là. Ok, il est 2 heures le matin. Bon, ça va les enfants. Oh salut. Oh salut. Oh salut. Merde. Salut, ça va? Putain. Oh, qu'est-ce que tu fais là-haut? Dégage, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Attends! 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 Attends, t'as pas le droit d'être là. Oh, vous connaissez ce que ça veut dire le bordel? Oh, salut toi, ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ok,
bugger. Donc c'est comme Buster m'avait dit, Mangle fait tout bugger. Enfin, son bruit, sa boîte vocale en fait est cassée, parce que j'ai compris, enfin de ce, parce que j'ai entendu surtout. Et donc en fait, elle prévient les animatronics en fait en faisant du bruit. Donc comme il avait dit le fun guy au tout début, c'est que les animatronics, dont à ce qui paraît, n'ont pas de mode de nuit. Du coup en fait, ils essaient de trouver les gens dans le bâtiment. En l'occurrence, moi. Et donc c'est mauvais pour mon cul. Vous avez compris. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, du coup en fait, Mangle prévient tout le monde, et en fait c'est comme Balloon Boy en fait. Quoi? Salut, ça va? Au revoir. Voilà. Connard, il est parti. Oh putain, il y en a partout. Hop là, voilà. Ah, ça pue pour mon cul. T'es là? T'es pas là, ok. Oh là là. J'ai pas eu le temps. Yeah. Yeah, motherfucker. Putain. C'est toujours les mêmes qui me tuent en plus, c'est soit Mangle, soit Balloon Boy, soit Foxy. Enfin, plutôt Balloon Boy ne me tue pas en fait, il mène à ma mort plutôt, c'est pas pareil. Et Mangle m'a pas tué non plus. Elle m'a pas si elle peut me tuer, je dis elle parce qu'elle a du rouge à lèvres. Comment se passe-t-il que c'est irréaliste? Toi, je vais garder la... Putain, j'ai cru qu'il était déjà pris. Est-ce qu'il s'est épé devant moi? J'ai vu le panneau disparaître en mode... Dégage! Mais il faut rien, hein, en mode oh ça va, c'est la fête. Putain, mais elle est super rapide la connasse. Salut, ça va? Bouge pas. Pardon? Il y a un enfant derrière, il va se faire écraser. L'enfant va se faire écraser. Ah non, c'est... ok. Ah, il y a... Ah, c'est Bully. Va plus vite. Eh, hey, va plus vite. Va plus vite. Pourquoi il pleure? Il pleure. Oula. Il y a un truc bizarre. Mais je vais voir, c'est... Mesdames et messieurs, je me fais effrayer même dans les Game Over scenes. Les scènes de Game Over, si vous préférez. Putain, c'était quoi ça? Je savais qu'il y avait des trucs bizarres là. J'avais vu à cause de Buster là, il m'avait montré des images sur Wiki, ce connard. Ok, il a pas fait exprès, mais je l'insulte quand même parce que c'est toujours marrant. Mais voilà, c'est pas légal ce qu'ils font. Ils m'effraient dans le truc de fin, dans la scène de mort. Toi, tu restes là. Encore. Qu'est-ce qu'il y a, toi?
Fier de toi d'avoir me tué là. T'aimes bien ça, hein, la lumière dans ta gueule. Il paraît qu'il est déjà parti. Hello. Il est déjà parti. Oui, ils font rien. Ok. Je préférais quand ils étaient là. Non, mais c'est sûr parce qu'il y a plus personne en fait. Juste deux connards là qui prévient tous les autres. Mamma mia! Je sais pas comment se débarrasser de Balloon Boy. Je crois qu'il faut que je fasse. Faut faire comment je fais là. Genre remettre le masque au bon moment. Le truc chiant, c'est qu'en fait, finalement, je vais plus avoir de flashlight parce qu'elle descend la flashlight. Allô? Allô? Elle descend! Ah! Il va me tuer parce que j'ai pas eu le temps! C'est là où il tue. Bref. Putain. Et en plus, j'ai passé la souris sur le truc rouge, mais il a pas voulu le mettre. Je crois que je vais activer la souris dans Vegas en fait. J'ai activé la souris. Voilà. Je sais pas si vous la voyez parce que peut-être qu'il faut que je redémarre l'enregistrement, mais j'ai la flemme de le faire. Donc j'ai pas très bien compris à propos du Game Over scene là qu'on a vu. J'en ai pas vraiment discuté d'ailleurs. Bon, d'après ce que j'ai compris, il y avait. Oui, oui, c'est bien, oui. Haha. Vas-y, vas-y, casse-toi, oui, allez. Putain, j'en ai marre. Je me cache. Je me cache parce que je peux rien faire d'autre. Bonjour les enfants, vous allez bien? Oui, non, peut-être. Donc ensuite, il y a Bonnie, je sais pas, il y avait une voiture violette, là, il y a quelqu'un qui est sorti, je crois que c'était Bonnie, mais je sais pas si c'est vraiment lui. Il a fait pleurer encore plus un enfant qui était dehors, qui était exclu des autres parce que c'était tous des racistes. Pourquoi d'ailleurs ils m'excluent? C'est totalement con les enfants racistes. Totalement con les racistes au cours. Bref, on va pas créer une polémique. Quoi? Oh, toi tu fais chier. Oh, je me cachais. Oh, je suis caché. Oh, c'est bon, il se casse. Ah non, il se casse pas en soi. Mais yes. Donc cet enfant, en fait, est devenu l'androïde qui me fait chier avec sa boîte à musique, là. Ce connard. C'est lui. Comment il se casse? Pas lequel, mais bon. Oh bah tous les deux. Tout ça c'est pas mal. J'ai oublié de parler un truc en début d'épisode, je savais que j'aurais dû peut-être en parler en fait. C'est que j'ai trouvé une technique sur Final Fantasy 1. D'ailleurs oui, sur Final Fantasy 1 je l'ai pas dit, mais j'ai terminé la suite ici sans off. Je suis désolé. J'aurais peut-être dû le faire avec vous, mais bon. Quoi? Oh c'est bon, c'est pour toi. Oui, donc j'ai terminé la nuit 1. Je vous l'ai pas dit, en fait j'ai trouvé une technique sur la nuit 6 plutôt, parce que par la nuit 1, parce que la nuit 1 j'ai terminé depuis mais lurette. Caché. Hop là. Donc oui, la nuit 1 j'ai terminé depuis longtemps. Donc la nuit 6, oui. Donc la technique c'est de regarder les animatronics. Et ça marche. Okay. Dégage. Dégage, je peux pas. D'attends. Putain. Voilà, connard, c'est bon. Voilà, je quitte. Ça me fait gagner du temps en fait. Vous comprenez que ce gamin est un enculé. J'ai foutu son chapeau du cul à faire tourner. Excusez-moi. Je deviens un petit peu. C'est quoi le mot? Oui. Ah oui, déjà, violent. Vulgaire. Par le pouvoir de la lampe torche, je vais regarder ce qu'il y a dans ce couloir. Oh, il y a Foxy. Oh, 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 Chica. Y'a Chica. Mais dépêche-toi, 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 dépêche-toi. D'accord.
Je suis pas d'accord, mesdames et messieurs, ça c'est du racisme. C'est du racisme, ça, monsieur. Oui, monsieur, c'est du racisme. C'est du racisme. Racisme. Oh! Oh! Hop là. Tu vas pas me tuer là. Ah, tu vas pas me tuer. Tu vas me tuer. Tu vas pas me tuer. C'est adorable. Oh, oh, oh. Oh putain. Allez, 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 allez. Putain, 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 putain. Allez, 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 allez. Allez. Oh. Yeah. Ah, qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Allez, c'est moi le boss, mais... C'était pas là dans le 1. Et tu es qui, bordel? Qui tu es? Qui tu es? Ah, ça s'en va. Tiens-moi, allez. Face to face, bitches. Face to face. It's me. Mario. Pardon. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, on va écouter les dialogues et ensuite on va s'arrêter parce que j'ai marqué que ça peut être marrant les dialogues. En espérant que je greffe pas au milieu, finalement. Je vais faire un essai, tiens. Je vais faire un essai. Oui, décroche, allez. Hello, hello. Hey, good job, nice fire. Keep a close eye on them tonight, okay? From what I understand, the building is on lockdown. No one is allowed in or out, you know. Especially concerning any previous employees. when we get it all sorted out, we may move into the day shift. This just became available. We don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. We're going to try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Fred Bear's Family Diner or something like that. Je comprends rien ce qu'il dit. Ok, donc il faut que je tienne encore une nuit. Je pense qu'ils vont changer au truc de au day shift. Là, je sais pas ce que c'est. Changer de position, genre ils vont me mettre à la journée parce que je sais pas pourquoi. Et ils ont dit qu'ils allaient contacter un ancien restaurant, je sais pas ce que c'était. J'ai pas très bien écouté en fait, j'ai pas très bien compris non plus. Il a dit Freddy Fazbear Dinner, comme ça, j'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris ce qu'il disait, mais bon, c'est pas très grave. Ah, c'est lui ça. Hop là. Ah, c'est lui ça. Hop là. Hop là. Hop. Oh là là. Ok, là il va se passer quelque chose dans les conduits. Je sais pas qui c'est, je m'en fiche un peu. Ok, là je suis officiellement effrayé. J'ai pas eu le temps. Jamais mis la caméra, il m'a baissé la caméra cet enculé. Eh, c'est pas gentil. Ok, bon, j'ai encore essayé un petit peu parce que j'ai vraiment trop envie de réussir à la nuit 5 là, ça a l'air trop cool. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé.
avec le mec là, il me parlait de Freddy Dinner Palace, je sais pas ce que c'était. Je suis pas déjà ton Freddy Fazbear Palace. Je sais pas quoi là, Dinner Palace. J'ai pas très bien compris. Il parlait de mon ancien restaurant. Je sais pas ce que c'était. Oh, c'est bon, je comprends. Oh, elle va me tuer. J'en ai marre de ce jeu. Oh non, c'est pas le moment, hein. Donnez des cadeaux. Je vous donne des cadeaux, espèce de Iti. Tiens, cadeau. Tiens, cadeau. Vous voulez des cadeaux? Est-ce que vous voulez des cadeaux? Vous aimez des cadeaux? Vous aimez pas les cadeaux? Lui, c'est mes cadeaux. Ils sont sympas. Je me cache dans un cadeau, c'est ça? Tiens. Voilà! Je t'ai donné une tête de Freddy! Tiens, une tête de Chica! Oh non, il ralentit! Vas-y, tête de Bonnie! Vas-y, je vais donner la tête de Foxy! Je veux voir la tête de Foxy! S'il vous plaît! Je veux voir la tête de Foxy! Give life? C'est-à-dire c'était give gift et là c'est donner de la vie. Je donne la vie, je suis... Ah, connard. Il a parlé de Balloon Boy, mais je sais pas... Ça veut dire quoi en fait?